je te prépare. Chris, je t'envoie. Ça va pas. Ça va pas. Il est pas d'allure. Tu vas me trouver croche. Oh, tu sais. Vas-tu voir les deux? Célibataires. Samuel, Mathieu, David, Steve, Yannick, Hugues. 24 heures sur 24 pendant 63 jours. Léa, Brigitte, Julie, Nadia, Mélanie, Marie-Laurence. Un couple, 100 000 $. Love Story, c'est vous qui décidez. Salut tout le monde et bienvenue au Loft. Hier, on a vu que la sauce à spaghetti de Julie a carrément tourné au vinaigre et Mélanie ne l'a pas digéré du tout. Aujourd'hui, fort heureusement, on change de menu. D'ailleurs, vous allez voir nos lofters dans un souper en tête-à-tête. Aussi à suivre, la création du calendrier du Loft 2004. Et là, aujourd'hui, c'est jeudi. Déjà, on parle des manigances derrière la session de ballotage de mardi prochain. Ben, vous êtes pareils, tous les deux. Vous avez plus de points communs que les autres. Moi, c'est eux. Puis moi, on est pareil. On pense pareil tout le temps. Il y a vraiment deux couples opposés. Rationnel, puis l'autre est bon. Ça fait bizarre. C'est cool, moi, je trouve. Mais la variété. Puis Julie, puis l'autre, ben, deux... Peut-être. Deux liaisons, ils chantent tout le temps, puis ils laissent tout le temps. Sam, j'ai dit mon idée n'avait pas changé, puis que je voulais juste pas puis de toute façon, quand ça va être dimanche soir, puis je vais dire... Puis on va être moi, puis lui, puis qui peut regarder. Je vais dire, sors-moi juste. Sors-moi tes arguments, voilà. Dis-moi tes arguments. Pourquoi? Puis laisse-le les sentiments. Qu'est-ce que tu penses qu'il va dire? Rien. Et avant, qu'est-ce qu'il dit? Rien. Et justement, il y a des bons arguments. Ben, Robin, dis-moi, je regarde. Tard? Hein? Tard? Tu vas savoir quoi dire, de toute façon, la série? Ouais, je peux penser à quoi? Ouais, ça va, checker ça. Dis qu'on fait l'affaire. Tu sais, quand la chose est partie, là, à cause de ça, on était là, mais j'ai juste parlé de tout. Et tout le monde, Mathieu. Belle complicité. Merci. Tu sais, quand Nicolas est parti, qu'il dit, j'ai dit qu'on avait une belle complicité, moi, Mathieu et Sam, mais j'ai pas dit, jamais dit Sam. Ouais, d'accord. C'était pour pas dire que je l'avais pas nommé. OK. J'ai juste dit, moi, Mathieu, on a une belle complicité, puis je veux que ça t'offre jusqu'à la fin. Je veux que t'offres un run avec. Tu auras même affaire au pire. Pensez-vous que les conseils de Hugues à Mathieu vont l'aider ou lui nuire? C'est à suivre. Pour l'instant, si vous voulez que Mathieu reste dans le loft, vous composez le 1-900-273-TQS1. Si vous voulez que Samuel reste, c'est le 1-900-273-TQS2. Vous pouvez également vous rendre au www.loftstory.ca pour voter. Voici une troisième façon de le faire. Par la messagerie texte de votre téléphone cellulaire, vous composez le loft 0. Pour sauver Mathieu, vous appuyez sur le 1. Pour sauver Samuel, vous appuyez sur le 2. Maintenant, place à la première tempête de neige au loft. Non, ça a été cassé la main. Kill le pot, kill le pot. On souffle la neige au complet. Ouais, il reste du neige. Mais c'est ton pot, ton pot. Je t'appelle. Yes, du neige. Ok. On fait aller. Ça fait ça dans la bouche, ce chien-là. Oh, non, non, non. Attends, on tout de même. Ah, ouais. Ouais. Je pense que tu seras pas la seule. Il y a pas mal de monde. Ils vont retourner se coucher. Tu veux-tu faire un dodo avec moi? Bon, tu veux-tu faire un dodo avec moi? Tu veux-tu faire un dodo? Je sais pas. Bon, attends, on va peut-être en aller sur elle. Ah, quoi? Pas de chute, par exemple. Je suis pas fatigué. Ah, vas-y, c'est belle. Je vais aller me coucher dans ma chambre, puis s'il va venir par choix, il va ouais, mais dans le fond, je ne vais peut-être pas. Pourquoi? Tu as dit oui? Ouais. Oui. C'est au moins ce qu'on fait. On ne peut rien t'empêcher.
que bien que je dis à Luc de pas le faire. C'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Parce que je parle pas pareil. Chico! Quand je viens, il a mis un petit. Il dit, il se fait plein d'idées, là. Wow, Mathieu, je pense pas que c'est ce genre de gars se faire plein d'idées. Non. C'est pour ça. Mais au début, je faisais ça comme toi, puis j'ai vu vite que. Ça allait trop dans, en tout cas, dans sa tête, ça allait vraiment vite. J'ai dit, wow, calme-toi, là, pour signer le contrat. Dans le fond, moi, je le ferais, puis si je me casse lui, je le ferais. Je veux pas, je veux prendre mon temps, justement, pour pas gâcher tout. J'ai tellement été vite souvent dans des relations, puis ça a tout gâché. S'il y a de quoi pour arriver, on verra après, tu sais, mais. Ouais, mais c'est ça, peut-être, je devrais pas, dans le fond. Exact, toi. Tu veux qu'il y ait quelque chose? Love Story. Cher Lofter, le propriétaire vous informe que vous n'avez rien à préparer pour le souper ce soir. What? Il se charge de tout. Vous aurez des détails plus tard en fin d'après-midi. Mais le poulet va pourrir. Ah, il en reste trois. Pas de discussion à soir. Hein? Faut qu'on ait une discussion entre les trois soirs. Pas ça. Parce que je veux pas choisir dimanche soir avec une personne. On va jouer trois, puis on va faire un choix à trois. Ah, pour les filles? Ah, ouais? Ah, c'est mieux de même. Tu penses, tu j'aime mieux que dimanche, quand il y en a qui va partir, on va savoir tout en même temps, c'est qui part, puis qui reste les filles en danger. Ouais. Moi, mieux ça de même. Bonne idée, ça. Moi, j'ai mes arguments. Je sais, tu sais ce que je veux pareil, puis je vais vous dire pourquoi. Ouais. Puis lui, s'il veut ça, au moins, si toi, tu dis lui qu'il a raison, je me battrais pas avec lundi soir. Ouais. Tu comprends-tu? Il n'y a pas besoin de me chicaner avec. On signera à trois. Puis si vous avez comme des arguments, au moins vous allez pouvoir dire votre voix. Je pense que c'est le même. Je pense que tout le monde a son vote parole rendu là. T'sais, eux autres, ils l'ont fait à trois, là, mettre les deux gars en danger. Mais deux gars mettent deux. Mais deux gars mettent deux filles en danger. C'est pas pareil. Pas en... Non, c'est ça. En tout cas, je sais pas si tu penses que. Je sais. Mais c'est le même. Fait que si l'un qui part, au moins, il va avoir dit son mot. On fait ça quand ça me dit ça, ben, je vais en parler à soir, là. C'est pas comme si tu savais pas, là. Puis, ben, on en jouera vendredi ou samedi soir. Ouais. Si on avait parti samedi, t'aurais dû la faire, là. C'est cool? Ouais. Ouais, ça va faire une peur pour dimanche, c'est ça. Si le monde peut aller à un couple, là. C'est sûr que je. On cancelle. Mais là, t'es de la belle partie pour en faire un couple, là. Alors, bon, on se colle. Écoute, toi. J'ai parlé à Julie, j'ai dit, écoute. T'as pas d'idée, là. Au pire, ça va plus juste bien t'aider. Quoi? Elle peut sûrement pas de nuit. T'as pogné? Mm-hmm. T'as pogné? Ben non. Ah, OK. Non, mais tu sais, c'est Mathieu, une fois qu'il m'a dit, ouais, viens te coller n'importe quand, ce serait le cas. Je sais pas comment prendre ça. Ça veut dire, viens te coller. Mm-hmm. Ouais, mais toi, t'as pas dit des pareils. Non, je sais pas. J'ai dit aussi, ben là, j'aurais pas le choix de me matcher avec, là, si on est juste nous deux. Il okay. A dit ça? Ben, le dimanche, que l'autre est partie. Là. Ah, c'est le fun. Ben, c'est pour ça que je t'ai dit, que t'as pas des. On va me matcher avec le chien. Ah, c'est la pire idée, là. Oh,
pour vrai? Ben, t'as pas dit l'autre fois. Ouais, ouais, j'ai dit de pas se faire. Mais je sais, j'ai dit. Mais Hugues, il a dit aussi hier, puis elle me l'a redit encore. Elle dit, oh, moi, puis Mathieu, quand t'es cool. J'ai dit, ouais, puis. J'ai dit, puis, t'as pogné? J'ai dit, t'as pogné? Où ça? Elle dit, non, elle dit, m'a juste grabé, là. Tu comme, tu sais. Ah oui, t'sais. Je sais, j'ai dit, ben. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Moi, c'est un problème que j'ai, hein. Chaque fois que je fais ça à n'importe quelle fille, ils se font des idées. Ça va? Mmh. Laisse-moi. C'est bon. Ah ouais, ça c'est, ah, c'est bon. Ça c'est bon. Bouge un peu ton masque, on va la réflexion. Toi. Ok, c'est bon. Parfait, parfait, c'est ça, comme ça. Bon. D'autres, on s'approche ça un peu plus. Non, je pense que c'est avec des sourires. Approche-toi par ici. Un autre? Un autre comme ça. Non. Tire-le. Tire-le, mais. La même aussi, là. Attends. Ah, comme ça? J'espère que les flashs vont être bons, les photos, là. Le propriétaire? Oh! Oui? Vous offre un souper fondu en tête-à-tête. Vous devez monter une table dans la salle de lavage, une table dans la salle d'eau et le troisième couple... D'accord. ...doit manger dans la salle à dîner. Les couples de la soirée sont les suivants. Hugues et Julie. Mathieu et Brigitte, Samuel et Mélanie. C'est bon ce qui se passe. Oui, hein? Content. C'est excellent. Content? Parce que si à soir on fait ce qu'on a dit pour parler, ben Sam, il soupe avec Mélanie. Comprends-tu? Non? Ce que je t'ai dit, je voulais faire à soir, qu'on jase les trois. Ouais. Pour... Tout le monde va reconnaître. Oui, il va speaker Mel. Ouais. Elle va l'ensorceler. Je vais essayer de savoir des choses. Oh. Vas-y, ça va pas la forme ici. Bon appétit! C'est beau de même? Oui, c'est beau. Bonjour. OK. OK. Puis un autre. Un autre. OK. OK. Tiens, comme ça. Ça, on va le mettre tout de suite. Ça quoi? L'affaire au-dessus du pain. Ah, oui. OK. Boule-toi pas. C'est OK. Ouais. Santé, mademoiselle. Santé. À nous deux. Puis, c'est ça, à la story. Outaouais! Attends, on fait un genou avec Outaouais. Outaouais? Fais un jeu de mots avec ça, là. Ah. Où t'as ouvert du vin? Oh, oui! OK. Bon. Ça coûtait bien. Est-ce que c'est d'avance ou je peux y aller en pièce? On n'a pas le choix, hein. C'est ça ou c'est rien? Ah, boy. C'est fun, ça. C'est mon premier souper, tu comprends ça? C'est vrai, parce que t'en as pas eu. Jamais. Ça, c'est quoi? C'est la fondue, là. Mais santé pour ton premier souper. Santé à toi aussi. Love story, love story. Love story. Hey, Hugues, il faut que je te fasse une confession. J'étais couché à côté de Mathieu tantôt, puis... T'es excité? Oui. Moi, non, on va inverser ces deux assiettes-là. Mais qu'est-ce lui... Que ça fait, ça... Lui, ça? Lui, je sais pas. Je te dis moi. OK, je pensais que t'avais senti quoi. Non, non, on n'était pas collés. Non, on était pas collés, mais moi, en tout cas. Non, mais... Mais ça, ça commence à être rough, pareil. Ça fait longtemps là, qu'on est ici. C'est-tu ton genre de fille? Non. Qu'as-tu dit? Non. Non. Mais dis-y pour... C'est pour ça qu'elle m'excite. C'est pour ça que je suis avec elle. C'est tout comme tout nouveau, puis je suis comme... J'aime quand elle commence à pogner une aile, puis elle se fâche, puis...
Ouais. J'aime ça des gros caractères. T'aimes les femmes dominantes ou t'aimes ça dominer? Non, j'aime ça des femmes qui sont capables. Que si de jamais je dis. Si ouais, jamais venons me chercher une bière, là, qui vont dire qu'on est de la merde, va t'en chercher ta bière. OK. Puis, tu sais, qui a son opinion, ouais, c'est ça, qui a son opinion, puis qui garde son opinion, puis. OK, alors, pour être plus précis, mettons, prends-moi, puis Hugues. Hugues, lui, s'ouvre. Quand quelque chose va le fâcher, tu vas le savoir. Oui. Il n'y a jamais rien de te fâcher ici. Non, c'est pas normal, ça, hein? Je sais pas. C'est rien que te fâche. Moi, je me fâche pas pour de la sauce à spaghetti. Je m'excuse. OK, mettons. Mais ça, t'es... Okay, non, non, ça, ça là, c'est une longue histoire. On ira pas là-dedans. Mais non, mais je dis ça pour vrai. Je dis, avant que quelque chose soit assez grave pour que je me fâche, faut que ce soit grave avant que je sois capable de... qu'on s'explique, là, tu sais. Mm-hmm. Si Sam reste, Sam, lundi prochain, va vouloir voter Mel puis moi en otage. Puis moi, je voudrais pas. Moi, je vais garder Mel. Bizarre. T'as être fou. Vraiment bizarre. On sait pas. Mais en même temps, écoute Mathieu, sa guitare, puis tout, ça serait étonnant, là, que ce soit lui qui part. Il a animé le groupe, son sens de l'humour, il nous a fait rire comme c'est pas possible. Moi, je suis sûr que c'est lui qui reste. Ça me sent plus moins, là. Ben oui. C'est sûr, c'est lui qui reste. Écoute, un clown, c'est un bon vivant, il a tout le temps le sourire, il fait rire tout le monde. Il joue de la guitare, il a animé plein d'affaires. Tu vois même pas pourquoi il est parti. C'est toi qui reste, là. Moi, ce que je pense, là. Ouais. C'est qu'on devrait choisir à trois, c'est qui les deux en âge. Genre samedi soir? Samedi ou vendredi, ou en tout cas, c'est comme vous voulez. En tout cas, si toi tu penses avoir eu ton mot à dire, puis toi aussi. Ouais, non, c'est ça. Moi, je trouverais ça cool, parce qu'à être deux, là, je veux dire, ça me tente pas de me pogner qu'un de vous autres. Oui, c'est ça, on va s'entendre. Mais c'est ça, on va falloir parler, puis. Oui. On va falloir dire des arguments, puis on va falloir parler avec notre tête aussi. Mais c'est pour ça qu'on fait les soupers ce soir. Je sais, mais si toi, tu parles avec ton cœur, puis moi, je parle avec mon cœur, puis qu'on est toutes les deux là, il n'y aura jamais d'entente. Je sais. Fait qu'on va falloir parler avec nos têtes. À soir ou samedi. Mais en tout cas, pas à soir. Tu sais que vous en pensez. Moi, je vous l'ai fait tous les deux. Moi, je suis d'accord. Vendredi, samedi. Vendredi ou samedi. Dépendamment, qu'est-ce qu'il y a à soir. On choisit à trois, c'est qui les deux frères d'Angers lundi. Moi, j'aimerais mieux même samedi soir. Samedi soir. Comme ça, si je suis gars, on va signer de quoi? On va signer de quoi samedi soir? Ah, signer sur papier? OK. Non, mais tu sais, je veux dire, si c'est Sam qui part pendant le petit coup, toi, lundi soir, tu dis plus ça. Ouais. Alors, samedi soir, c'est que j'en pensais. Moi, je vous l'offre, là, je pensais à ça hier. Comme ça, si je pars ça dimanche, je vais avoir les mots à dire, puis je vais être content. Puis, de toute façon, on l'a dit, c'était tout le temps nous trois. Fait que lui qui part, en tout cas, il a eu son mot à dire. Parfait. Ça marche? On va te souper, les autres. Super. Toi? Super. Ça, c'est prometteur pour le ballotage des filles de la semaine prochaine. Hugues tente de contrôler le vote des gars par un contrat signé. Mais il peut pas tout contrôler dans Loft, surtout pas sa douce Mélanie. Vous allez voir au cours des prochaines minutes, les lofteurs n'ont pas fini de vous surprendre. Je suis pas capable de concevoir de former un couple genre ici. Dans ma vision personnelle, là, t'sais. Je parle pas vous autres, je parle pour moi. Je peux pas. Je connais une personne à fond si je sais pas son mode de vie. Moi non plus. Si je sais pas, c'est quoi la relation qu'elle a avec sa famille? Je sais pas combien d'amis qu'elle a, sont où ses amis, à quelle fréquence ils voient. Merde, j'ai perdu tout mon affaire. Ah. Oh, je t'embrasse. Mmh. Tu me vois? À mieux. Mais si je fais ça, mmh. On va m'allumer. Quoi? Ça va m'allumer. Hein? Pas toi? Ah oui. Hum? Je te prépare. Chris, je t'envoie. Ça va pas. Ça va pas. J'ai pas d'allure. Tu vas me trouver une croche. Vas-tu savoir? Vas-tu choisir les deux? OK. Tout le monde va le savoir. Ouais. Non. C'est parce que j'ai échappé mon truc. C'est un moulin ou un autre? Oh! C'est quoi être ouvert?
question. C'est quoi ça, être ouvert? Ouf! Samy! OK. C'est ça que je voulais dire tantôt, par « ils ont pas fini de vous surprendre ». La suite est prometteuse, n'est-ce pas? Vous savez que vous avez jusqu'à dimanche pour décider qui de Mathieu ou Samuel restera dans le loft jusqu'à la grande finale du 7 décembre prochain. Si vous voulez que ce soit Mathieu, vous composez le 1-900-273-TQS-1. Si vous voulez que ce soit Samuel, c'est le 1-900-273-TQS-2. Vous pouvez également vous rendre au www.loftstory.ca pour voter. Voici une troisième façon de le faire, par la messagerie texte de votre téléphone cellulaire. Vous composez le Loft 0. Pour sauver Mathieu, vous appuyez sur le 1. Pour sauver Samuel, vous appuyez sur le 2. Je te passe une bonne soirée et à demain 19h pour la suite de l'histoire.